Bonjour et bienvenue à tous sur ce webinaire. Je suis Yann Ménez, de la société InMacW Store. Je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc ingénieur commercial spécialisé sur la partie mobilité. Donc aujourd'hui, fort d'une expérience de 15 ans dans l'informatique et dans l'environnement Apple. Je m'associe à Apple aujourd'hui et donc Philippe Astier pour vous faire une présentation à travers ce webinaire. Euh, du nouvel iOS euh, dans sa version 7 et puis nous verrons par la suite euh, des, cas, des cas entreprises euh, et en tout cas euh, l'application euh, aujourd'hui dans l'entreprise. Et maintenant je vais passer la parole à Philippe Astier qui va vous faire la présentation donc, euh, sur l'iOS 7. Philippe, c'est à toi. Bonjour, merci Yann pour cette introduction. Je suis Philippe Astier, consultant Apple et dans l'environnement Apple depuis une trentaine d'années. Nous allons aujourd'hui parler d'iPad, donc d'abord d'iOS 7 sorti récemment et vous présenter quelques nouveautés en particulier pour l'entreprise. Puis nous parlerons d'usages qui sont faits pratiquement en entreprise. L'écosystème iOS aujourd'hui, ce sont plus de 700 millions d'appareils qui ont été vendus dans le monde. Quand je parle d'écosystème, j'entends non seulement les iPads, mais bien entendu les iPhones, les iPod Touch, voire les Apple TV qui partagent tous le même système d'exploitation. Chose très importante dont nous reparlerons par la suite. Cet environnement est très très homogène, puisqu'aujourd'hui, plus des trois quarts des utilisateurs d'iOS utilisent la dernière version du système. Une des raisons de ce succès, c'est l'approche différente d'Apple vis-à-vis d'iOS par rapport à ce qu'on a connu sur d'autres plateformes. En particulier, le matériel et les logiciels sont profondément intégrés, ce qui, nous le verrons, permet à Apple de proposer des choses assez exclusives sur le marché. La sécurité est extrêmement complète, avec un chiffrement très profond et des options de gestion à distance puissantes. Le déploiement est très simple. Que vous ayez quelques appareils ou que vous en ayez quelques dizaines de milliers, les principes restent similaires. Les outils, bien entendu, vont différer un peu. Enfin, le succès d'IOS, c'est également sa plateforme d'applications puissante et qui répond à tous les besoins. Plateforme logicielle, intégration avec le système d'information d'entreprise et App Store sont vraiment les trois clés du succès de l'environnement. Intéressons-nous d'abord à iOS, dont la version 7 est sortie récemment. La force d'Apple, c'est l'intégration du matériel et du logiciel, qui permettent par exemple ici de proposer un lecteur d'empreintes digitales exclusif sur l'iPhone 5S. De la même manière, le centre de contrôle ou bien AirDrop sont des fonctionnalités. Qu'on ne retrouve pas ailleurs. AirDrop, aujourd'hui, c'est vraiment le successeur de la clé USB qui vous permet de transférer des fichiers d'un appareil iOS à un autre sans aucune configuration. Apple a toujours été connu pour l'élégance de son interface, mais au-delà de l'élégance, ce qui est important, c'est l'intuitivité et le fait que vos utilisateurs vont se mettre très rapidement à être efficaces sur la plateforme sans avoir besoin de longues séances de formation. La version 7 d'iOS, Intègre beaucoup de nouvelles fonctionnalités destinées à l'entreprise. Alors, nous ne passerons pas à travers toutes aujourd'hui parce que ça prendrait beaucoup de temps. Mais il est important de se rendre compte que euh, il y a tout ce dont vous avez besoin pour gérer l'appareil. Que ce soit au niveau de la sécurité, au niveau du chiffrement, au niveau des possibilités de gestion à distance. Mais tout est intégré déjà. Toutes les briques de fondation sont intégrées dans le système. Examinons maintenant quelques fonctionnalités qui sont vraiment dédiées à l'entreprise. D'un point de vue sécurité, l'appareil propose bien évidemment la gestion de mots de passe et de verrouillage. Ça, c'est la sécurité minimale que l'on doit introduire. Ces mots de passe vont pouvoir être plus ou moins complexes vont être à renouveler. Vous vous doutez également que la plateforme iOS propose l'intégration avec la sécurité de vos réseaux, que ce soit en Wi-Fi ou au travers de connexions VPN, quel que soit le vendeur. Et enfin, Apple offre la possibilité aux développeurs qui le souhaitent d'utiliser les capacités de chiffrement de l'appareil au sein même de leurs applications. Rapidement, les entreprises ont besoin d'applications qui leur sont dédiées, développées spécifiquement pour elles, donc il est bon que les développeurs puissent prolonger la sécurité de la plateforme jusqu'au sein des applications. Au niveau de la gestion des appareils, tout est prévu, nous l'avons dit, pour gérer des petits au gros déploiements. Les outils de Mobile Device Management vous permettent en effet de gérer les réglages non seulement au moment du déploiement, mais surtout une fois que les appareils sont chez les utilisateurs sur le terrain, vous avez besoin d'en faire l'inventaire, de changer des réglages, et c'est ce que les MDM vont vous permettre de réaliser. Intéressons-nous maintenant aux applications. La plateforme iOS, c'est une nouvelle manière de travailler par rapport à ce qu'on a connu, aussi bien sur les ordinateurs fixes que portables. Les applications vont être soit intégrées dès l'origine par Apple sur l'appareil, soit vous allez pouvoir vous les procurer sur l'App Store, qu'elles soient gratuites, payantes, réservées à des entreprises, nous le détaillerons par la suite, soit enfin des applications qui vont être personnalisées à vos besoins, développées pour vous, en interne ou par des sociétés tierces. D'origine, sur l'appareil Apple préinstalle ce qui est nécessaire pour travailler au quotidien. Courrier électronique, gestion de calendrier, de carnet d'adresses, messagerie instantanée, navigateur web. Ce qui est important de retenir, c'est que ces applications ne vous demandent pas de modifier ou de changer votre infrastructure. Si vous avez décidé d'utiliser des serveurs Exchange, d'utiliser Google ou d'autres standards du marché, eh bien vous allez vous contenter de paramétrer vos appareils et les utiliser normalement sur la plateforme. Vous pouvez également utiliser des solutions Apple, mais ce n'est pas obligatoire. Désormais, avec iOS 7, les applications de productivité d'Apple sont disponibles gratuitement sur l'App Store. Ces applications vont vous permettre de lire, de modifier ou d'enregistrer des documents au format Word, Excel ou PowerPoint que vous connaissez déjà dans vos environnements de bureautique. C'est cette plateforme d'applications puissante qui permet à l'iPad d'être présent dans tous les secteurs d'activité et aussi dans des entreprises de toute taille, de l'entreprise individuelle à des entreprises de plusieurs dizaines de milliers de personnes. Pourquoi Eh bien parce que fondamentalement, on va trouver des applications pour tous les usages. On a parlé de documents Office bien entendu, mais vous allez aussi trouver des logiciels d'accès aux documents, des logiciels de collaboration ou encore de formation. Mais voyons plus précisément au travers de quelques cas concrets comment l'iPad se présente en entreprise. Dans les ventes, l'iPad est très très présent. Par exemple, intéressons-nous au cas de Sunbelt Rentals. Alors ça c'est une entreprise de construction américaine, euh, donc un environnement fait de pelleteuses, de béton euh, où on n'attend pas forcément un appareil comme l'iPad. Avant les solutions d'Apple, eh les managers utilisaient des classeurs papier euh, remis à jour, des listes de tarifs euh, imprimées régulièrement. Vous imaginez à quoi cela peut ressembler. Désormais, Sunbelt Rentals utilise une application, Mobile Sales Pro, qui leur permet de mettre de manière électronique tout ce qu'ils avaient auparavant, auparavant sur le papier. Que ce soit des listes de tarifs, que ce soit eh bien, les coordonnées de leurs clients ou bien encore euh, l'état de leurs commandes. Sunbelt a été tellement content de l'application développée sur iPhone qu'ils l'ont également portée sur iPad, pour leur permettre d'accéder de la même manière euh, à leurs rendez-vous, à leur liste de clients quand les vendeurs sont dans une zone donnée, et bien entendu à tout ce qui est euh, présentation des chiffres et des ventes réalisées. En pratique, L'iPad leur a apporté vraiment eh bien, une plus grande disponibilité de l'information en mobilité, car finalement c'est ce qu'on veut, c'est éviter des allers-retours au bureau pour remettre de l'information à jour. Au-delà des ventes, Sunbelt Rentals utilise aujourd'hui la plateforme également pour la logistique, pour suivre les livraisons qui vont avoir lieu chez les clients. Autre domaine d'activité, la grande distribution. Intéressons-nous à Lidl International, que vous connaissez sûrement qui possède aujourd'hui plus de 9000 supermarchés dans 25 pays. Avant l'iPad, on retrouvait des classeurs papier avec les managers qui se déplaçaient de supermarché en supermarché avec tout un ensemble de documentation que vous pouvez imaginer assez abondant. Liste de prix, liste de clients, euh, éventuellement euh, des visuels pour savoir comment organiser les rayons. Lidl a développé une application pour remplacer simplement tout le papier. Cette application leur regroupe tout ce qu'on pouvait trouver avant dans, dans les classeurs, mais apporte un plus, c'est qu'on est connecté au système d'information et donc on peut avoir des informations en direct. On peut ainsi consulter sur l'iPad des visuels de magasins type, vérifier les promotions en cours dans les catalogues, et eh bien, tels que les clients les voient dans le quotidien, ou bien encore, Voir comment placer les produits sur les linières dans les magasins. L'iPad aujourd'hui chez Lidl a remplacé une quantité phénoménale de papier et a apporté de nouvelles possibilités, comme par exemple la possibilité eh bien de suivre les managers dans les magasins. Aujourd'hui, on estime que c'est plus d'une heure gagnée par jour et par manager, ce qui est quelque chose d'important vu la taille de l'entreprise. L'endroit où on attend naturellement l'iPad, c'est bien entendu les services sur le terrain. Un bon cas client, c'est Siemens Energy qui gère plusieurs milliers d'éoliennes aux États-Unis. Une éolienne, quand on l'entretient, nécessite de monter au sommet et euh, ceci avec beaucoup de documentation papier, euh, des manuels d'entretien, des procédures, des bons de commande. Vous imaginez tout de suite la complexité que cela représente de monter au sommet d'une éolienne avec toute cette documentation. Siemens a donc décidé de développer euh, aux États-Unis une application qui leur permet eh bien, de gérer toute cette documentation papier, que ce soit des procédures d'entretien euh, ou bien encore euh, des bons de commande de pièces détachées, voire des schémas des éoliennes euh, qui sont à maintenir. Et puis surtout, l'iPad a permis aussi d'apporter une chose en direct c'est la météo parce que monter en haut d'une éolienne quand on a une brasque devant, ce n'est pas une très bonne idée. L'iPad, en pratique, a permis à Siemens déjà de remplacer une quantité énorme de papier et de simplifier au quotidien eh bien, le, le fait de monter sur l'éolienne. On monte avec les iPads dans la poche, c'est beaucoup plus simple que de faire des allers-retours de papier. Et puis surtout, on a apporté une dimension en temps réel de gestion aussi bien de la maintenance que des bons de commande et que de la surveillance de la météo. Un autre domaine où l'iPad s'est répandu très vite, c'est celui de l'analyse des données financières. Intéressons-nous au cas de Life Technologies, qui, euh, avant l'iPad, euh, avec 10 000 employés et 160 pays, gérait ses chiffres de vente de produits dans d'immenses feuilles Excel, euh, sûrement très complètes, mais souvent très indigestes à comprendre. Les logiciels d'analyse sur iPad ont permis justement de simplifier et d'améliorer la présentation de ces chiffres, de les rendre simplement lisibles. Euh, au lieu d'avoir des tableaux euh, relativement euh, indigestes et illisibles, vous vous retrouvez face à des graphiques dans lesquels vous pouvez littéralement fouiller avec les doigts, changer le niveau de détail et euh, bien euh, afficher les données telles que vous avez envie de les comprendre. En pratique, l'analyse de données financières sur l'iPad, c'est surtout la possibilité d'avoir des informations en temps réel du système d'information en évitant les intermédiaires papier. On évite de retraiter les données et on a des données qui sont beaucoup plus à jour. Au-delà de l'analyse de données financières, Life Technologies a rapidement introduit des applications pour gérer les plannings de ressources humaines, des applications collaboratives, mais aussi et surtout, porter leur catalogue produit, leur gestion client et aussi la formation. La formation, c'est justement un domaine où l'iPad brille facilement. Plusieurs options s'offrent à vous si vous souhaitez offrir des cursus de formation sur l'iPad, que ce soit au travers d'iBooks, d'applications déjà existantes sur l'App Store ou d'applications développées pour vous. Quand on pense à iBooks, on pense aux livres numériques et à des versions papier de livres présents sur une tablette. Bien entendu, cela va au-delà, car on peut offrir sur un iPad du contenu dynamique, comme on peut le voir ici. On va ainsi pouvoir non seulement offrir des schémas, mais on va pouvoir aller avec les doigts, eh bien, chercher de l'information supplémentaire, voir des vidéos, répondre à des questionnaires, tout un contenu interactif qui serait tout bonnement impossible sur un livre papier. Au-delà des livres numériques, vous pourrez trouver sur l'App Store beaucoup d'applications qui vont vous permettre de créer de véritables cursus de formation, de créer votre contenu dédié à l'entreprise, voire de gérer du contenu pour des salles entières de formation. Enfin, vous pouvez imaginer développer des applications internes pour vos besoins de formation non seulement vous pourrez suivre en temps réel la formation de vos salariés mais vous pourrez imaginer avoir comme ici eh bien, de l'intégration avec du contenu technique en trois dimensions ou des en tout cas des, des procédures qui sont déjà présentes dans votre système d'information chose qu'on ne pouvait absolument pas imaginer sur du papier l'ipad c'est vraiment un bouleversement du processus d'apprentissage les contenus évoluent plus vite. Vous pouvez apporter eh bien des, des nouveaux types de contenus avec du multimédia, de la 3D, et enfin, vous pouvez avoir un suivi de votre cursus de formation qui est beaucoup plus efficace. Nous avons vu au travers de ces cas des exemples concrets d'usage de l'iPad en entreprise. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'intégration du matériel et du logiciel, avec en particulier le focus sur la sécurité, les possibilités de déploiement que Yann va vous détailler dans la partie suivante, et l'ensemble des applications, qu'elles soient déjà présentes sur l'App Store ou développées à vos besoins, voilà les facteurs clés du succès de l'iPad. Yann, à toi de nous présenter l'offre d'InMac en termes d'iPad. Eh bien bonjour, InMac vous accompagne dans vos projets mobilité. InMac WStore aujourd'hui a développé une direction transverse qui a une approche valeur Solex, donc comme solution expertise. L'objectif c'est effectivement d'accompagner nos clients au delà de notre expertise de distributeur depuis plus de 20 ans. Et à travers cette, euh, cette direction de euh, solutions expertise, on a développé donc le pôle mobilité. Et à travers ce pôle mobilité, InMac vous propose son expertise sur les solutions mobilité. Et par ailleurs, InMac s'appuie sur une logistique performante et certifiée ISO 9001. Alors, cette logistique, c'est 5000 m2 de stock sur le site de Roissy. Donc, il y a plus de 20 000 unités qui sont traitées euh, quotidiennement en, en entrée. Une chaîne de stockage dynamique et entièrement automatisée, avec des plateformes sensibles qui nous permettent notamment de, de stocker et de travailler des produits type tablette et ou smartphone, qui sont effectivement toujours des, des produits un petit peu plus sensibles en termes de, de travail logistique. On a une, une zone d'expédition qui est certifiée ISO 9001. On a notre propre atelier d'intégration qui est également sur le site de Roissy. Cet atelier d'intégration dans lequel nous avons nos propres serveurs de production nous permet de travailler différents projets, que ce soit sur de l'infra, que ce soit sur de la communication interactive et unifiée, mais surtout sur de la mobilité. Donc, ces serveurs de stockage nous permettent notamment d'intégrer des masters ou bien des images, des images de référence sur lesquelles on va pouvoir déployer sur l'ensemble des plateformes qui sont sélectionnées. Un stock dédié également pour nos clients euh, donc c'est-à-dire que ce stock dédié bah, va nous permettre de travailler en mode projet d'accompagner les clients euh, sur des projets spécifiques avec du déploiement au fil de l'eau sur des clients qui ont des configurations multi-sites euh, ou bien multi-applicatif euh, ou bien même encore sur euh, différentes solutions métiers. Et donc cette zone de stock tampon dédié permet d'avoir un stock en permanence dédié pour un client euh, qui permet de garantir euh, le bon déroulement des, des projets qui sont associés. Le développement d'applications. Aujourd'hui, euh, tout projet mobilité commence par un développement d'applicatifs métiers. Euh, pourquoi euh, aujourd'hui, euh, très clairement, de nombreuses entreprises arrivent avec euh, une expertise, un historique euh, sous l'environnement Windows. Euh, aujourd'hui, vouloir transposer les, les outils utilisés dans un environnement Windows euh, sur une plateforme iOS directement, c'est quasiment voué à un projet qui ne sera pas optimisé, qui sera même proche de l'échec, puisqu'on va avoir une expérience d'utilisateur qui va être tout sauf optimisée. On va avoir une euh, va être, euh, euh, va avoir utilisation de la tablette qui va être euh, sous-utilisée, puisqu'on va avoir des, des outils qui ne seront pas optimisés pour l'environnement tactile. On aura des outils qui ne seront pas performants. Donc c'est pour ça que le développement d'applications... C'est vraiment la, le point de départ de tout projet mobilité. Par ailleurs, un développement spécifique réconcilie les besoins utilisateurs et les exigences de l'ASI, euh, puisque un développement d'application va également permettre de prendre en compte euh, bah, les besoins de l'ASI euh, en termes de sécurité, en termes d'intégration avec euh, le système d'information qui est en place. Et puis pour les utilisateurs, ça va leur permettre de développer une application avec une interface qui est... Qui est très friendly, qui est, euh, que, que, que l'on a envie d'utiliser et, euh, et puis qui est moderne. Donc, ça, ça, ça permet d'avoir un impact fort euh, auprès des utilisateurs aujourd'hui. Donc, on a euh, Mobistep qui est un de nos partenaires euh, euh, privilégiés pour le développement d'applications aujourd'hui sur la plateforme iOS. Le MDM, c'est euh, le deuxième point important euh, dans tout projet mobilité. Qu'est-ce que le MDM Alors, le MDM, c'est. Le mobile device manager, c'est un outil indispensable pour la gestion de vos flottes de smartphones et de tablettes. Cet outil est très important. Il n'est pas toujours pris en compte dans les projets mobilité. Quand j'ai l'occasion de rencontrer des, des DSI, il est vraiment important de le prendre en compte dès le départ du projet. Pourquoi Alors, le MDM, il va vous permettre tout d'abord de déployer votre flotte. C'est-à-dire que vous allez pouvoir activer et intégrer les appareils, y compris euh, en mode over the air, c'est-à-dire à travers le, le Wi-Fi ou en tout cas en connexion sans fil. Vous allez pouvoir également authentifier les utilisateurs depuis un Active Directory. Vous allez pouvoir configurer des réglages de sécurité sur les appareils. Vous allez également, à travers le MDM, pouvoir sécuriser vos appareils. Ça, c'est vraiment important, euh, notamment pour, euh, pour le RSI le responsable des systèmes d'information, seuls les appareils autorisés peuvent se connecter au système d'information. Donc ça veut dire qu'on a vraiment une sécurité qui est maximisée. On a aujourd'hui des appareils qui sont très nomades. Donc on a ce besoin de pouvoir authentifier et d'être sûr que seuls les appareils autorisés vont être connectés. Les données sont également entièrement sécurisées. Vous allez pouvoir faire un cryptage intégral des données sur le device. Vous allez également pouvoir avec le MDM faire un effacement à distance. Si vous avez un device qui est perdu, qui est volé, euh, sur la simple demande de l'utilisateur, vous allez pouvoir à distance faire un effacement. Euh, L'effacement, c'est très simple. Euh, c'est un ordre qui va être donné au device euh, d'annuler la, la clé de cryptage qui, qui crypte l'ensemble de l'appareil et toutes les données seront absolument inutilisables et illisibles. Donc ça, c'est vraiment un point clé, un point très important pour des appareils qui sont en mode très nomade. Pour lequel les données particulièrement sensibles peuvent être exposées. Un état de parc en temps réel. Par ailleurs, le MDM vous permet de gérer les appareils. Euh, aujourd'hui, on, euh, on a, comme je l'indiquais tout à l'heure, une expérience euh, très Microsoft, dans laquelle on a une gestion des appareils dans l'entreprise qui se fait via des outils spécifiques. Euh, donc aujourd'hui, un MDM va vous permettre également d'avoir cette gestion de, de votre flotte. Vous allez avoir un suivi de l'activité utilisateur. L'objectif est d'avoir une visibilité sur euh, les usages que sont faits du device par l'utilisateur. L'intérêt, bien évidemment, c'est de pouvoir soit mettre à disposition des nouveaux outils plus performants euh, par la suite, soit optimiser euh, ceux qui sont déjà mis à disposition de la part des utilisateurs. Vous allez également avoir un historique de l'activité. Encore une fois, l'objectif est de pouvoir vraiment avoir une vision précise sur les besoins de chacun des utilisateurs et peut-être adapter un contenu spécifique en fonction d'une catégorie d'utilisateurs. Vous allez surtout pouvoir, à travers la gestion des appareils, faire une mise à jour des applicatifs et des règles de sécurité. Ainsi, lorsque vous distribuez vos appareils, vous n'avez pas un environnement qui est figé. Vous allez avoir euh, des devices qui sont... Vivant, entre guillemets, c'est-à-dire que vous allez pouvoir à tout instant les mettre à jour sur la sécurité et les applications sans que l'utilisateur ait besoin de revenir euh, au siège et qu'il fasse une connexion filaire avec le système d'information. Ce sont des points qui sont importants, puisque aujourd'hui, par rapport aux modèles économiques qui sont en place, où aujourd'hui un utilisateur avec un device est obligé de revenir sur son siège, ou bien en tout cas d'avoir une connexion euh, filaire avec le système d'information pour pouvoir faire des mises à jour. Là, on va pouvoir vraiment le faire à distance et même en, en, en mode de, simplement en mode connecté à travers le Wi-Fi et une connexion 3G éventuellement. Et donc, ça va également vous permettre d'avoir une remontée à la direction informatique de l'état des devices en temps réel. Alors, aujourd'hui, pour la distribution des MDM, on a un partenariat avec les référents du marché. On est partenaire AirWatch, donc on est partenaire certifié AirWatch aujourd'hui, ainsi que Push Manager. Ce sont deux outils MDM aujourd'hui qui font partie des cinq références du marché et qui vous permettent d'avoir une console d'administration et une gestion relativement simple à travers de cette console d'administration. Et vous avez également une compatibilité multiplateforme avec ces outils-là, ce qui vous garantit de pouvoir utiliser une plateforme de référence même si vous évoluez dans de l'environnement multi -west. L'intégration à Roissy. Nous avons aujourd'hui une plateforme entièrement dédiée sur la mobilité sur le site de Roissy. Celle-ci vient en complément de nos serveurs de production que l'on utilise par ailleurs pour tous nos projets d'infrastructure en règle générale. Donc ce sont des chariots dédiés avec une plateforme Apple dédiée également qui nous permet de faire une production avec un cadencement jusqu'à 500 devices en mode production par jour. Euh, donc 500, euh, c'est un petit exercice de style, mais qu'on est capable de réaliser euh, sur demande pour des projets spécifiques. Donc cette intégration, euh, comme je vous l'ai précisé, il est dédié aux solutions mobiles, il est performant, il nous permet d'intégrer vos applications in-house, donc les applications métiers que vous faites développer, euh, les applications que vous pouvez trouver sur l'App Store. On peut également personnaliser les appareils avec un étiquetage, avec un marquage spécifique sur le device, un reporting. Euh, donc, le reporting, ça va être euh, quelque chose de, de relativement simple un tableur qui vous permet d'avoir une visibilité sur les numéros de série, un numéro d'immobilisation si vous le souhaitez. On peut vous proposer également un packaging spécifique pour la livraison. Euh, L'objectif est bien entendu pour vous de gagner du temps lorsque vous euh, déployez et distribuez vos matériels. Euh, si vous avez une sacoche spécifique euh, intégrée, par exemple, et quelques accessoires, on va pouvoir directement vous proposer l'iPad euh, installé dans sa coque et dans un packaging spécifique avec les accessoires euh, souhaités. La logistique, aujourd'hui, bah, euh, c'est notre métier, donc on est capable de vous livrer euh, sous 24 heures, partout en France métropolitaine, euh, en configuration multisite notamment. On utilise des outils de référence. Donc Ces outils de référence, c'est l'Apple Configurator, IPCU, donc iPhone Configurator Utility, et Deploy Studio donc pour les projets orientés autour de, de macOS et d'iOS. La formation, point clé également pour tout projet mobilité, c'est ce qui permet d'assurer le bon usage qui est prévu initialement sur, sur les devices et d'avoir une production rapide de la part des utilisateurs. Donc, InMac dispose d'un agrément pour dispenser ces formations. InMac vous propose des formations donc iOS et macOS à travers de formateurs certifiés. Ces, formateurs, euh, ces formations pardon, sont réalisables sur votre site directement, par groupe d'utilisateurs notamment. Et puis, dernier point clé euh, des projets mobilité, InMac vous accompagne dans votre projet jusqu'à son financement. Différentes solutions de financement vous sont proposées de 24 à 36 mois des contrats qui sont souples et adaptés à la mobilité, donc sous forme de location financière et ou location opérationnelle. C'est vraiment les, les deux types de contrats aujourd'hui le, le, le plus proposés sur, ce, sur les projets mobilité. Un ensemble de partenaires qui nous ont fait confiance, donc des grands noms tels que BNP, Siemens, euh, mais également euh, West France, Autodistribution, euh, voilà, et bien d'autres également. La présentation est maintenant terminée. Euh, J'espère que cela a répondu à vos attentes. Nous allons maintenant passer aux questions-réponses et notamment euh, répondre aux questions qui ont été posées euh, pendant le webinaire. Si vous avez encore des questions, vous pouvez toujours les poser et nous allons euh, travailler avec, euh, avec Philippe pour y répondre. Alors on va commencer donc euh, par une première question. Les applications Keynote Page Numbers. Accepte-t-elle euh, les formats euh, Office PC euh, Philippe, tu veux répondre à cette question euh, Oui, bien sûr. Euh, bien évidemment, on peut tout à fait ouvrir ces, ces formats de fichiers euh, dans Keynote, Pages et Numbers, euh, que ce soit de, des formats euh, DOC, DOCX, XLS, .xlsx hein, et, et euh, variations. Euh, vous pourrez non seulement les ouvrir, mais aussi les modifier et les réenregistrer, donc soit dans le même format. Soit au format PDF euh, à votre convenance. Alors bien entendu, s'agissant de fichiers Office, euh, vérifiez toujours la compatibilité euh, et essayez sur vos fichiers pour voir ce que ça donne. Une autre question, Yann. Ok, donc alors effectivement, euh, alors on a vu qu'on pouvait ouvrir effectivement pas mal de pas mal de documents. Euh, J'ai passé euh, à une autre question. Alors, quelles sont les règles de sécurité? De base, euh, exemple iTunes ou pas, euh, typiquement avec le MDM, nous pouvons autoriser euh, ou pas l'utilisation d'iTunes. Quels sont les choix stratégiques à adopter et les points positifs ou négatifs Alors la question est assez complète, elle est assez intéressante. Je pense qu'on va peut-être pouvoir répondre en, en deux parties. Euh, Philippe, je te propose peut-être de répondre sur la partie des, des règles de sécurité qui sont liées euh, qui sont justement liées à, avec iTunes et moi je, moi je, je réponds je compléterai avec euh, la partie MDM Alors tout d'abord ce qui, ce qu'il faut noter c'est qu'aujourd'hui, depuis quelques versions d'OS, iTunes n'est absolument pas une obligation d'entreprise. Euh, L'entreprise peut choisir de le garder pour certains usages, mais on peut tout à fait déployer et gérer des flottes d'iPhone ou d'iPad sans iTunes. Par contre, avec un MDM, ça c'est vraiment un choix euh, préconisé. Il euh, n'y a pas forcément de règles générales, il y a des entreprises qui vont être euh, très restrictives, qui vont effectivement euh, euh, fermer, euh, fermer la plupart des services, qui vont interdire YouTube, qui vont interdire l'installation d'applications euh, assez rapidement, euh, qui vont peut-être brider certains sites web euh, ou les faire passer par un proxy. Et on va aussi avoir des entreprises qui vont être très ouvertes. Qui vont certes gérer le contenu entreprise par le par le biais du MDM. Hein, je, te, je te laisserai en, en parler un peu plus si tu le souhaites, euh, parce qu'on peut bien le le, le le séparer du contenu autre, mais qui vont ensuite laisser une plus grande liberté à l'utilisateur. Ce qui est important, c'est que ça s'inscrive dans vos habitudes d'entreprise clairement, euh, et que et que de, les bridages ne freinent pas le succès de, du déploiement. Oui, tout à fait. Je pense que là-dessus, oui, là-dessus, je, je peux compléter, moi, par, par des cas clients euh, concrets, puisqu'on a effectivement euh, une, cette question est assez récurrente, euh, parce qu'elle soulève euh, elle soulève différents euh, points importants dans l'entreprise. D'abord, il y a l'humain, il, euh, il y a la sécurité dans l'entreprise euh, et puis il y a le projet iPad euh, et la façon dont vous souhaitez le construire. Euh, donc c'est vrai que vous pouvez très bien, comme l'a souligné euh, Philippe, vous pouvez très bien dire on verrouille tout, on verrouille euh, toutes les applications, euh, on verrouille euh, selon les règles de sécurité en interne. Euh, maintenant, j'ai quelques clients qui ont fait le, pari, le choix inverse plutôt. Euh, L'idée était de dire voilà, on attribue un nouvel outil euh, auprès de euh, notre force commerciale ou bien des, des, des personnes concernées. Euh, et on souhaite qu'ils s'approprient le device. Euh, et pour ça, ben, on va leur laisser un minimum de restrictions. Euh, ces minimums de restrictions vont faire qu'il va y avoir une adhésion rapide du device. Il va y avoir une appropriation euh, qui fait que pour des populations qui n'ont pas forcément l'habitude d'utiliser un outil informatique, on va avoir un taux d'adhésion qui va être très rapide et très fort. Et voilà. Donc euh, d'un point de vue RH, alors ça peut poser des problèmes de 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 gestion également, puisqu'on, si on laisse tout ouvert, ça veut dire qu'on va avoir du contenu personnel euh, sur le device qui va être présent avec du contenu euh, professionnel. Donc là, ça veut dire qu'il faut quand même avoir une certaine maîtrise, ou en tout cas bien sensibiliser les responsabilités des utilisateurs euh, lorsqu'ils mettent euh, sur le device euh, du contenu personnel. On pourrait, je pense encore, euh, épiloguer pas mal sur cette question-là parce qu'elle est vraiment, euh, elle est vraiment importante et elle, elle s'intègre complètement dans, euh, dans dans un projet iPad. Euh, maintenant, j'ai envie de dire que ça dépend aussi du contexte utilisateur et du contexte de l'entreprise pour pouvoir formuler euh, une réponse complète. Euh, donc, on va passer à une autre question. Alors, euh, de quelle manière puis-je modifier des fichiers Office? Avec iWork, mais surtout pouvoir réinjecter ces fichiers modifiés dans mon système d'information sans passer par le mail ou iCloud. Euh, Philippe, tu veux travailler sur le sujet hein Oui, tout à fait. Alors, c'est une question euh, fondamentale aussi, c'est celle de, de l'accès aux fichiers. Comment est-ce que je fais pour accéder aux fichiers de l'entreprise euh, Ça va dépendre de ce que vous, vous avez en entreprise. Si vous avez, euh, par exemple, un serveur SharePoint, vous pouvez utiliser un client SharePoint. Il euh, y en a des, des gratuits qui vous permettront eh bien, de récupérer vos fichiers, de les modifier et de les remettre sur SharePoint. On peut imaginer euh, d'autres protocoles. De manière décisive, par exemple, euh, iWork supporte le WebDAV. Donc, en démarrant un, un serveur WebDAV dans votre entreprise, vous aurez accès à vos fichiers. Ça va vraiment dépendre de ce que vous avez déjà et de ce que vous voulez euh, modifier ou pas. Typiquement, euh, gardez vos solutions de partage de fichiers que vous avez en entreprise et ça marchera. On parle ici d'iWork, hein, ça pourrait être à peu près n'importe quelle application, la plupart supportent effectivement d'accéder directement à vos fichiers d'entreprise, ou ça peut être pour certaines applications par le biais du MDM qui va savoir gérer certains fichiers. Voilà, ça, ça va dépendre, il faut vraiment démarrer un projet et étudier l'état de, de votre infrastructure. Ok, donc ça ça nous donne bo une, une bonne vision, je pense, euh, euh, ta réponse de, de ce qu'on peut faire avec iWork. Euh, on, on a deux questions un petit peu en une qui, qui reviennent euh, qui reviennent par rapport à la première question qu'on a eue concernant les applications Keynote et Page et Numbers, euh, notamment sur les limitations qu'on peut avoir euh, sur les fonctionnalités avancées. Euh, alors, est-ce que euh, tu, tu as une expérience, Philippe, euh, ou en tout cas peut-être compléter cette partie-là? Euh, tout à l'heure, tu as précisé qu'on pouvait ouvrir euh, à travers Keynote, à travers Pages, à travers Numbers, euh, des fichiers euh, et donc créer sous euh, une suite Office PC. Euh, quelles sont les limitations s'il y en a, euh, notamment a priori sous Excel, une personne nous dit qu'il y a des formules un peu poussées qui peuvent poser problème à Numbers. Euh, quelles sont les limitations déjà rencontrées ou, ou, ou remontées alors, il euh, y a des limitations, euh, ne serait-ce que parce qu'on est sur une plateforme mobile, donc euh, plus restreinte en termes de processeurs, en termes de mémoire. Il euh, n'y a pas vraiment de règle générale, et le, le conseil que je donne toujours, c'est essayer avec vos fichiers d'entreprise. Euh, si ça ne marche pas avec Numbers, il euh, y a des alternatives, il hein, y a Documents2Go, fist 2 go il y a pas mal d'alternatives aujourd'hui disponibles sur le store. Donc essayez dans ces applications-là quand ça ne marche pas clairement. Euh, Aujourd'hui sur iPhone uniquement, malheureusement, vous avez Office 365 euh, de Microsoft. Non, non, pas encore fait pour iPad, on espère tous que ça viendra, ça simplifierait peut-être la vie, surtout du côté Excel. Pour les autres documents Office, hein, que ce soit euh, Word ou PowerPoint, ça se passe généralement, c'est des formats qui sont plus simples. Euh, donc ça se passe généralement plutôt bien. Mais là il faut aussi essayer, hein. Je, même entre deux versions d'Office sur PC, ça se passe pas toujours parfaitement, donc c'est. C'est de laisser qui est qui est important avant tout je pense. D'accord. Donc si on devait un petit peu euh, résumer, je pense que des, en tout cas plus peut-être sur Numbers, puisque a priori c'est peut-être plus lui qui est le plus complexe, oui, parce que c'est vrai que sous, sous Excel on peut avoir des macros, on peut avoir euh, des formules qui seraient sont, sont assez complexes. On va dire pour une utilisation, une utilisation euh, basique ou en tout cas avec des fonctionnalités euh, simples de, de Excel ça pose pas de problème. Euh, après, ben, il faut tester. Et peut-être que c'est pas Numbers qui pourrait y répondre, mais Documents2Go, euh, que j'utilise par ailleurs, et qui est vraiment très voilà. bien. Euh, alors, je ne suis pas un, un pro d'Excel, j'utilise pas des macros dans tous les sens, donc je pourrais pas vous confirmer que avec Documents2Go, vous n'aurez pas de problème de compatibilité. Mais en tout cas, je pense que c'est une très bonne alternative à Numbers, ou en tout cas complémentaire. Ça peut être aussi un, un très bon complément. Alors, on va passer à une autre question. Pouvez-vous nous faire un point sur les nouveaux iPads euh, bah, Je vais répondre Philippe. Alors les nouveaux iPads effectivement, euh, même si vous avez bien, ils sont plus très nouveaux, puisqu'ils sont sortis il y a un mois et demi, hein, mais ça, ça reste encore très récent. Euh, la gamme en fait iPad aujourd'hui a été complétée par euh, un iPad mini Retina, donc dans la gamme Mini. Euh, donc la gamme Mini aujourd'hui euh, est constituée du, du modèle qu'on avait jusqu'à présent, donc l'iPad Mini 1 on va dire. Euh, qui est complété aujourd'hui avantageusement par un, un iPad Mini avec un écran Retina, donc avec une définition euh, Retina qui permet bah, de profiter euh, du confort euh, de la famille Retina. Euh, L'iPad euh, grand format, enfin format 9 pouces, 9,7 pouces, euh, qu'on appelait l'iPad Retina, lui a été remplacé par l'iPad Air. Alors là, on a un, un très bel appareil puisqu'il a euh, comme point fort par rapport à son prédécesseur, un poids très léger. Euh, quand on le prend en main, c'est vrai que c'est assez, euh, assez flagrant, c'est assez impressionnant. Euh, une puissance au euh, processeur qui est nettement meilleure également. Euh, une autonomie qui est préservée malgré l'allègement euh, et la diminution de la capacité de la, la batterie. Donc ça, c'est vraiment des points forts sur cette nouvelle gamme. Et donc, on conserve toujours au catalogue euh, l'iPad 2 en entrée de gamme. Euh, donc pour compléter la gamme euh, de l'iPad grand format. Tu veux rajouter quelque chose peut-être Philippe sur cette partie-là ou on passe à une autre question Non, euh, ce qui est important c'est de, de, aussi de noter le nouveau processeur 64 bits qui est euh, bah, aujourd'hui une première sur toute plateforme mobile puisqu'il n'y en a strictement aucun autre sur le marché et on voit déjà arriver des applications qui commencent à, à en tirer parti hein, donc ça c'est assez intéressant. Ok très bien. Alors une autre question, doit-on changer les applications pour l'iPad MIDI Retina euh, Alors non, les applications aujourd'hui euh, sont compatibles euh, de celles que vous avez pu acheter jusqu'à présent et même celles qui sont toujours disponibles, bien qu'elles ne soient pas optimisées pour euh, le Retina, elles vont fonctionner sur, sur euh, le Retina euh, dans, sur la même base qu'une application aujourd'hui tournée sur un iPad 2 euh, et également sur un Retina ou un R. Euh, donc il euh, n'y a pas de difficulté. Si l'application est optimisée, ben, vous aurez un confort de travail euh, qui sera meilleur, mais en tout cas, ça ne bridera pas euh, le fonctionnement de, de l'iPad. Alors, euh, on va passer à notre question. Euh, à quand l'accès à un partage réseau simple via iWork euh, Alors là, je, je te laisse euh, travailler dessus, euh, oui. Philippe. Oui, oui, tout à fait. Alors, c'est une question euh, intéressante. Bon, même, même en tant que développeur bien intéressé et proche d'Apple, euh, je vous promets qu'on ne sait pas ce qu'Apple sort ni quand. Donc, euh, je j'ai pas de secret en la matière à partager. Euh, je pense que la notion de partage réseau simple, euh, il, il faut se méfier parce qu'on est sur des appareils qui sont utilisables en mobilité. Donc, en mobilité, le partage réseau, ce n'est jamais simple. Euh, je veux dire, euh, on peut et on doit, c'est en entreprise. Euh, passer par un VPN par exemple, euh, on, peut, euh, on, on peut perdre la connexion. Donc c'est des protocoles qui ne vont pas être aussi simples que ce qu'on connaît en entreprise. AFP, SMB, ça a été taillé pour du réseau local et donc en mobilité ça marche différemment. Donc euh, c'est entre autres pour ça qu'Apple a poussé euh, WebDAV. Mais ce qu'il faut comprendre c'est que toutes les briques sont dans le système d'exploitation. Personne n'empêche un développeur d'utiliser de l'AFP, du SMB, du FTP, du WebDAV. C'est au développeur de les utiliser. Apple a fait certains choix dans iWork, d'utiliser du WebDAV et iCloud, qui est un, un dérivé de WebDAV d'ailleurs. Euh, je ne sais pas s'il y a des raisons pour eux de changer aujourd'hui. Si vous prenez d'autres applications, eh bien, on va supporter euh, euh, d'autres protocoles. Donc, c'est au développeur de faire le travail. C'est pas Apple qui le fait, et ça, c'est euh, impo important. Alors, l'autre question, euh, l'autre question euh, corollaire que, qui a été ajoutée, c'est on est obligé de faire ouvrir dents pour éditer les documents. Ça, c'est une chose très importante dont on a parlé brièvement, c'est euh, le modèle de sécurité. Sur l'iPad et sur l'iPhone, une application n'a jamais accès au système de fichiers. Il n'y a pas de système de fichiers commun entre les applications. Et ça, je pense que sans prendre de risque, ça ne changera pas parce que c'est ce qui permet à Apple de n'avoir ni virus ni malware sur 700 millions d'appareils. C'est quand même quelque chose de totalement unique au monde aujourd'hui. Et la raison simple, c'est qu'on ben, ne peut pas aller ouvrir un fichier... Sans, euh, sans que l'utilisateur ne décide de le faire. Donc finalement, ouvrir dents pour passer d'un document à l'autre, c'est ce qu'on fait quand on glisse ou quand on clique, mais c'est ce qui permet de préserver l'intégrité du système et le modèle de sécurité. Donc ça, ça ne changera pas. Donc il faut il faut comprendre la philosophie. Hein. C'est c'est un changement euh, par rapport aux, aux plateformes traditionnelles. C'est un parti pris d'Apple, mais qui marche plutôt très très bien aujourd'hui. Yann. Oui oui, bah je pense que la réponse elle est bien complète. Euh, maintenant, euh, alors, je, je voulais juste peut-être apporter une précision sur sur les partages réseau. Euh, ça fait partie des questions que je rencontre moi euh, auprès des, des clients. Euh, quels sont les outils euh, que toi tu peux préconiser aujourd'hui, euh, Philippe, euh, pour l'ouverture sur, sur des accès réseau euh, Alors, je pense qu'on, y a notamment du, du Dropbox, hein, même si c'est dans le cloud, ça permet de partager des documents euh, assez facilement. Euh, alors ça ne permet pas d'attaquer un réseau d'entreprise, mais c'est quoi aujourd'hui les outils que tu préconises Alors il y a des outils de type Box, qui sont des dérivés de Dropbox, Goodreader, qui eux permettent d'accéder à des réseaux d'entreprise. Vous avez des applications françaises, il y en a une qui s'appelle La Malette, donc ça c'est facile à retenir, qui permet aussi d'attaquer des, des réseaux d'entreprise, c'est-à-dire que ces applications vont effectivement se connecter. A de l'AFP, du SMB, etc., pouvoir démarrer un VPN pour accéder aux fichiers et vont vous permettre d'y accéder. Par contre, elles ne permettent pas euh, l'édition. On va passer à une autre application pour éditer, mais c'est des applications qui sont euh, très très pratiques et qui sont parfois d'ailleurs verrouillables pour les besoins de l'entreprise. D'accord. Euh, alors on a une autre question concernant les malwares. Euh, Existe-t-il des malwares sur navigateur web même cloisonné? Euh, alors à ma connaissance, euh, il n'en existe pas. Euh, je ne sais pas si Philippe, tu peux, euh, tu peux confirmer, mais j en tout cas, j'en ai jamais vu sur iPad. Alors à ma connaissance non plus, ça reste évidemment de toute façon, euh, la plateforme étant, euh, étant très répandue, euh, c'est une cible de choix pour, pour les hackers en herbe dans tous les sens, enfin, même, même ou très organisés. Il euh, y a des gens qui, euh, qui réussissent partiellement à, à, à contourner de temps en temps euh, la, la sandbox, mais ça reste très très limité dans le navigateur. En gros, ils accèdent à vos, à vos derniers sites parcourus. On n'a pas eu, on n'a pas eu de malware au sens où on l'a euh, sur d'autres plateformes clairement, et on n'a pas de malware en tout cas qui ont permis d'accéder carrément à une autre application à côté. Euh, pour mémoire, hein, la, la version 7 d'iOS n'est toujours pas jailbreakée par les pirates, ce qui veut dire qu'ils n'ont pas réussi à contourner l'ensemble des sécurités Apple. Apple tous les mois ou presque sort des patchs de sécurité, n'est pas naïf, regarde ce qui se fait, c'est un marché qui est tentant pour tout le monde de toute façon. Donc, ça veut dire que le, le sandboxing, ça marche bien. Jusqu'à hein bah, le le présent, c'est je... extrêmement efficace, oui, clairement. D'accord, donc ju juste pour, pour mémoire, le sandboxing, c'est cette technologie intégrée à l'iPad euh, qui fait que chaque application fonctionne dans son propre environnement. Euh, et donc si on imaginait même qu'un virus venait à à rentrer sur l'iPad par une application, celui-ci ne pourrait se dupliquer que sur lui-même ou en tout cas dans l'application dans laquelle il fonctionne. Euh, oui. Donc, ce qui permettrait de, 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 de ne pas avoir un gangrénage du reste des applications et du système. Ça, c'est vraiment important et c'est un des points forts aujourd'hui euh, au niveau sécurité pour l'intégration de, de l'iPad, qui est en fait un appareil de choix dans l'entreprise. Euh, là, je regarde l'heure. Je pense qu'on va, on va clôturer. Je vois pas d'autres questions. Tu, il y a un autre point sur lequel tu veux intervenir, Philippe ou, non, je pense on Au a niveau des questions. des questions, très très intéressantes d'ailleurs. Oui. Tout à fait. Euh, voilà. bah écoutez, euh, je vous remercie d'avoir assisté, prise. Vous pouvez nous retrouver sur euh, le site inmacwstore.com. Et sur le site misco.com également, si vous nous connaissez sous, sous l'entité misco. Euh, je vous invite à, à aller compléter le formulaire, euh, le questionnaire de satisfaction euh, du webinaire. C'est important pour nous parce que ça nous permet d'adapter du contenu euh, pour les prochaines sessions. Donc, n'hésitez pas à travers ce formulaire à nous, à vous, à nous faire part de, de vos questions, euh, de vos besoins euh, ou bien de vos attentes sur de, de, de prochaines sessions. Euh, et nous essaierons d'adapter euh, le contenu en conséquence. Voilà. Euh, donc, ben, Je vous remercie de votre patience et de votre écoute. Euh, et puis, Philippe et moi euh, se joignons euh, pour vous souhaiter une bonne journée. Euh, et je vous dis à la prochaine, euh, au prochain événement. Donc pour l'instant, il n'y a pas encore de, de date, mais à très bientôt, en tout cas. Merci au revoir. Merci au revoir.